Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera lequel des 5. Du coup je vous ai demandé sur Instagram hier soir lequel des 5 par exemple est le plus gourmand. Et du coup je vais vous répondre entre Ellie Belle, Prudence, Indien, Pinoc et du coup Ify. Voilà, c'est parti! Du coup on va commencer par... J'ai noté sur une petite feuille et je regarderai sur mon téléphone s'il y en a d'autres en plus, ils se sont rajoutés. Lequel des 5 est le plus tactile? Du coup le plus tactile je pense que c'est Indien ou Ify, parce que Ify elle vient toujours essayer de nous coller tout ça, voilà. Et Indien c'est pareil, bon après faut aller le chercher, enfin faut aller le voir pour lui faire des câlins et après il kiffe. Du coup voilà, c'est un des deux. Lequel est le plus joueur? Je pense avec les autres animaux, je pense que c'est Pinoc, parce qu'il les fait toujours, il les embête toujours. Il embête toujours les autres, tout ça. Et sinon avec nous, c'est Prudence, parce qu'elle essaie toujours de jouer avec nous, quoi. Je sais pas comment expliquer. Lequel des 5 apprend le plus vite? Du coup, je pense que c'est Indien, parce que le sourire, j'ai mis clairement 2 jours à lui apprendre. Monter sur la plateforme, pareil, 1 jour c'était acquis. La jambette, pareil, voilà. Lequel des 5 passe le plus les clôtures? Je dirais Ify. Après, elle passe pas forcément parce qu'elle reste avec les autres, mais elle essaie toujours de pousser les fils avec son poitras. Un test, en fait, s'il y a du jus. Lequel des 5 fait le plus de bêtises? Je dirais Ify aussi, parce que déjà c'est la plus petite. Il y a Prudence qui est pas mal aussi, hein. Pour un exemple, Ify, quand elle rentre au box, il faut qu'elle fasse tous les box, ou alors qu'elle fasse toutes les gamelles avant d'y aller, ou comme les clôtures, c'est pareil. Du coup, c'est Ify. Lequel des 5 est le mieux au travail? C'est Ellie Belle, vu que c'est la seule qui est attelée et montée correctement pour l'instant, parce que les ânes ne sont plus montés. Puis Ify, on verra bien ce que ça donne plus tard, on vous donnera des nouvelles. Lequel des 5 est le plus gentil? Mais ils y sont tous. Oui, tous à leur façon. Tout à fait. Donc du coup les 5, on peut pas vraiment répondre. Ensuite, lequel est le plus flemmard? Donc c'est Prudence, parce que comme vous l'avez vu dans la vidéo de la semaine dernière, elle veut jamais avancer, ou alors elle a jamais envie, quoi. Du coup voilà. Lequel des 5 est le plus peureux? Du coup le plus peureux c'est sûrement Indien, parce que comme vous le savez, il a été maltraité. Du coup voilà, même si ça fait 10 ans qu'il est ici, c'est toujours pas résolu, la peur des hommes. Quand il voit un caillou un peu pas à la bonne place en balade, il est... Et par contre il y a Ify qui est pas mal aussi, voilà. Lequel t'énerve le plus souvent? Je dirais Ify, hein. C'est avec ses conneries, putain. Du coup je dirais Ify, parce que quand elle rentre pas dans son bon box, je m'énerve toute seule en fait. Ou alors quand elle essaie de passer les fils, ou quand elle embête les ânes pour manger les grains, le foin, tout ça, donc c'est Ify. Lequel des 5 est le plus gourmand? Tous. Oh oui, le moins c'est Indien, quoi. Ils sont tous plus ou moins gourmands. Le moins c'est quand même Indien, parce que il regarde toujours ce qu'on lui présente. Mais sinon il mangerait tout. Voilà. Ensuite, lequel des 5 est le plus calme? Du coup le plus calme c'est Ellie Belle, parce que quand on les voit à la tâche, Pinoc il peut être calme. Mais il embête toujours Indien. Indien c'est pareil, il reste pas trop en place. Prudence pareil. Ify, oh ça va, mais c'est moins que Lily, et du coup c'est Ellie Belle, hein. Lequel des 5 tu as le monté le plus? Je pense que c'est Indien, parce que ça fait 10 ans que je l'ai, donc ça paraît plutôt logique. Voilà. Lequel des 5 mange le plus? C'est Ellie Belle, vu que c'est la plus grosse, ça paraît logique. Après Prudence est pas mal non plus, je pense. Lequel des 5 est le plus respectueux? Le plus respectueux, c'est sûrement un des deux ânes, donc je pense que c'est surtout Indien. Parce qu'on a pris l'exemple que quand on marche à pied par exemple, il nous double pas. Ou alors ils trottent pas quand on leur dit pas, tout ça. Enfin bref, voilà, du coup ça, les juments après elles sont jeunes. Lequel des 5 est le plus fort? C'est Ellie Belle. Lequel des 5 est le plus sale? Ify ou Prudence? Ça dépend, parce que Ify des fois quand elle se roule dans la boue, c'est impossible de la brosser vu qu'elle est noire. Elle fait caca dans sa mangeoire à grains et dans sa mangeoire à foin, dans son eau aussi des fois. Lequel des 5 et le plus volontaire? Donc le plus volontaire pour nous c'est Indien, parce que quand on était dessus, ou quand on faisait du travail à pied, tout ça, il faisait tout ce qu'on lui disait sans rechigner. Et du coup on verra bien Ify par la suite, parce que on sait pas trop pour l'instant. Lequel est le plus vieux? Du coup c'est Pinoc, parce qu'il va prendre 21 ans en 2021 du coup. Lequel des 5 est le plus sage? Le plus sage c'est Ellie Belle, ça revient comme le calme, quoi. Lequel des 5 est le plus câlin? Le plus
plus câlin, je pense que c'est indien, parce que quand on lui en propose un, qu'on met sa tête sur notre épaule, il veut toujours un câlin et voilà, ça reste pas comme ça. Lequel des cinq est le plus speed? Sans aucun doute, c'est Ify, suivi de indien. Après, non, si c'est Ify, parce que bah déjà elle a 2 ans et demi et puis même sa race fait qu'elle est... Elle est un peu starbée. Voilà, c'est ça. Lequel des cinq est le plus travailleur? Donc le plus travailleur, bah, c'est indien, parce que bah, dès qu'on lui propose un exercice, même sauter, galoper, tout ça, et bah, il rechigne pas et il aime bien ça, sûrement, vu qu'il le fait volontairement. Quel est le plus nonchalant? Alors ça, je sais pas ce que ça veut dire. Du coup, le plus nonchalant, c'est Pinocchio, parce que bah, comme vous voyez dans les vidéos, il a jamais de licol déjà, il suit indien... On sait pas, voilà. Jusqu'au bout du monde, il irait avec lui. Ou alors, quand on lui dit un truc, enfin, quand on lui demande un truc, il le fait. Mais genre, tout mou, quoi. Lequel des cinq aime le plus se promener? Plus qui aime se promener, c'est sûrement Ify et puis les ânes. Parce que bah, les ânes, ils aiment bien aussi aller se promener. Avec lequel des cinq as-tu passé le plus de temps? Donc du coup, bah, c'est indien, puisque bah, ça fait 10 ans qu'il est là. Et puis quand il était tout seul, bah, on était toujours avec lui, tout ça. Et voilà, après sinon c'est Pinocchio, après bah, Prudence, après Lily et après Ify du coup. Voilà. Ensuite, lequel est le plus têtu? La plus têtue, puisque c'est une fille... C'est Prudence, parce que bah elle fait un peu ce qu'elle veut, c'est un peu une princesse en vrai. Lequel des cinq j'ai eu en premier? Bah du coup c'est indien, puisque ça fait 10 ans qu'il est là, enfin 10 ans l'année prochaine. Lequel des cinq est pas beau? C'est méchant. C'est Ify. C'est pas la mienne. Non mais ils sont tous beaux à leur manière de toute façon, et voilà, donc ils sont tous beaux. Attendez, on fait une petite pause dans le tournage. Non mais regardez cette beauté. C'est magnifique. On les voit pas. C'est ma fenêtre, tu vois. Ici, c'est ma vue. Cette vidéo, c'est bien. Et si je lâche l'appareil photo, et ben il est mort. C'est cette fenêtre. Ouais, c'est ça. Lequel des cinq est le plus sportif? Du coup, le plus sportif, bah, c'est sûrement Ify, même si Indien la suit de très très près, parce qu'il est très endurant. Et que quand il veut y aller, il ira et il est toujours à fond. Ensuite, lequel des cinq est le plus drôle? Bah, ils sont tous drôles à leur façon, parce qu'ils font toujours une petite bêtise qui nous font rire. Et voilà. Lequel des cinq est le plus jeune? Du coup, c'est Prudence, avec 3 jours de différence avec Ify. Prudence, c'est le 6 mai et Ify, c'est le 3 mai, donc à 3 jours de différence. Lequel est le plus envahissant? Alors, sans aucun doute, c'est Ify, parce que quand on donne les grains, il faut qu'elle soit là à chaque distribution. Quand on donne le foin, c'est pareil, les carottes, c'est pareil. Enfin, quand on filme les intros et les outros, c'est elle qui est là. Voilà, du coup, c'est sans aucun doute là. Lequel est le plus poilu? Les deux ânes. Parce que eux, ils ont un poil, on sait même pas où il est, tellement il y en a. Donc, bah, c'est les deux ânes. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. À la prochaine, bisous!